Bonjour, donc je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de mes produits favoris côté beauté des mois de septembre et octobre 2019. Donc comme vous le savez, je fais cette vidéo tous les 2 mois et là j'ai plein de trucs à vous présenter, essentiellement du soin visage, un petit peu de maquillage et j'ai 4 flops. C'est assez rare que j'en ai autant, mais là vraiment 4 produits qui m'ont pas du tout convaincue. Donc je vais vous montrer tout ça tout de suite. On va commencer par le premier favori côté cheveux. Alors je ne sais pas du tout comment je l'ai eu, je sais pas si c'était dans une Birchbox. Des fois je reçois aussi les miniatures de chez Oh My Cream, je ne me souviens absolument pas, donc je vous mettrai un lien vers ce produit parce que je ne sais pas où le trouver. Il s'agit d'un produit de la marque Grow Gorgeous et donc c'est un produit qui s'appelle Back Into The Roots. Comme vous voyez avec ce petit emballage avec un bouchon un peu pointu, c'est un produit en fait qui est à appliquer à la racine des cheveux pour... Alors c'est écrit masque stimulant 10 minutes pour cuir chevelu, c'est un peu pour détoxifier... remettre un peu le cuir chevelu à zéro pour éliminer les impuretés, les excès de produits, de sébum aussi, vous pouvez avoir la racine des cheveux. Moi j'aime beaucoup tous ces petits soins appliqués localement, j'en ai testé pas mal dans pas mal de marques différentes. À nouveau, je ne sais pas comment je l'ai reçu, mais il se trouve que je l'ai trouvé dans mes tiroirs. Je ne l'ai utilisé qu'une seule fois, mais je viens vous en parler parce que j'ai été hyper convaincue la première fois où je m'en suis servie. Donc vous avez vraiment un embout précision qui vous permet de l'appliquer réparerait. Alors moi j'ai beaucoup de cheveux donc c'est compliqué d'arriver à la racine de mes cheveux sur l'intégralité de mon cuir chevelu. Mais j'ai quand même réussi. Pour autant j'ai pas été très économe sur la quantité de produit parce qu'il m'en reste la moitié. Donc concrètement ce flacon va me faire 2 utilisations et je pense pas vraiment qu'à la base ça soit prévu comme ça. Je pense que vous pouvez quand même vous en servir 3 ou 4 fois de suite. Au niveau de la composition on retrouve de la caféine, du zinc et de la biotine et donc vous avez juste à l'appliquer sur votre cuir chevelu, le laisser agir pendant 10 minutes. Alors moi je l'ai laissé poser quasiment 1 demi-heure, j'avais un petit peu massé du bout des doigts, ça avait un côté hyper frais sur le coup, c'est déjà très, très apaisant, très rafraîchissant et ensuite je me suis lavé les cheveux comme d'habitude. J'ai pas eu de soucis à éliminer le produit, c'est parti très rapidement avec le premier shampoing. Mais j'ai eu une sensation d'apaisement au niveau du cuir chevelu qui était dingue et d'habitude je me lave les cheveux tous les 3-4 jours, on va dire qu'au bout de 4 jours c'est vraiment limite. Et là au moment du 4e jour mes cheveux étaient encore, enfin ma racine des cheveux était encore très fraîche, comme si j'avais pas vraiment besoin de me laver les cheveux tout de suite, ce qui est assez étonnant. Voilà, je voulais vous parler de ce produit, je suis navrée, j'ai pas fait mes recherches avant de faire la vidéo donc je ne connais pas le prix, je sais pas si ça c'est une miniature, si ça existe en plus gros, mais je pense que je vais me renseigner pour l'acheter en bah, soit en grand format soit dans celui-ci mais... parce que je l'ai beaucoup aimé. On va continuer avec les favoris côté soins du visage. Tout d'abord, à nouveau un coup de cœur chez Typologie, une marque française avec de belles compositions dont je vous ai déjà parlé par le passé. Donc ils m'avaient envoyé un colis avec pas mal de produits, j'avais dû recevoir 3 ou 4. Je vous avais déjà parlé de l'eau micellaire qui était géniale, je vous avais parlé de la crème visage que je viens tout juste de terminer là il y a 2-3 jours, dont je vous reparlerai du coup dans ma prochaine vidéo produits terminés. C'est vraiment une marque pour laquelle j'ai un coup de cœur qui a des compositions très simples, donc cette huile démaquillante par exemple contient 7 ingrédients, pour la crème visage c'est 9 et donc tous les ingrédients sont listés à l'arrière du produit et c'est hyper clair. Donc l'huile démaquillante, bah écoutez, parfaite. Alors je sais qu'on n'a pas tous les mêmes goûts dans le domaine, moi j'aime des huiles qui soient tout de même assez épaisse, je veux pouvoir les rincer quand même assez facilement, j'aime pas les huiles qui laissent un fini trop gras même si je fais un double nettoyage derrière. Elle ne sent rien, elle démaquille tout sur son passage y compris le maquillage très longue tenue, donc c'est composé à 99% d'ingrédients d'origine naturelle et voilà, je sais pas quoi vous dire de plus, elle est top. Le flacon fait 100 ml, vous avez quand même pas besoin de beaucoup de produits donc ça reste assez économique, mais c'est sûr que par rapport à un flacon de 200 ou 250 ml on va arriver plus vite au fond. Ensuite, toujours dans les soins visage, un produit que j'ai ressorti, la crème exfoliante désincrustante de chez Caudalie. Alors je sais pas pourquoi, mais dernièrement j'ai eu pas mal de d'irrégularités au niveau de mon visage, mais vraiment de surface. C'est-à-dire que même quand je passais mes doigts sur mon visage, je sentais des reliefs, je trouvais ça très désagréable. Et je m'en sortais pas vraiment avec mes lotions exfoliantes, ou même des gommages plus doux. Donc je me suis dit, bon, je vais essayer de trouver quelque chose de plus costaud. Et dans mes tiroirs, j'ai retrouvé ce produit. Alors je sais pas si je vous en avais déjà parlé par le passé, mais c'est un produit que j'aime énormément. Donc crème exfoliante désincrustante, tout est dit. On n'est pas du tout sur de gommage doux. Donc c'est vraiment pas le gommage à utiliser 2-3 fois par semaine. Si vous avez une peau très sensible, attention. Alors, il n'y a pas vraiment de risque de se louper dans le sens où vous pouvez pas vous arracher la peau du visage parce que finalement, le mouvement, c'est vous qui le faites. Donc c'est vrai que si vous frottez pas comme une dingue, vous n'allez pas forcément... abîmer votre peau, c'est pas d'ailleurs pas du tout le but du produit, vous en arriverez probablement pas là, mais c'est à vous un peu de gérer l'exfoliation avec le mouvement que vous faites avec vos mains. Donc moi sur les joues j'y vais assez doucement, puis j'insiste plus franchement sur le menton, les ailes du nez et le milieu du front. Voilà, mais ça c'est à vous de voir. J'adore ce produit, c'est vraiment une crème très épaisse, donc le gommage glisse pas entre vos doigts, ça se répartit bien, ça se rince bien, c'est
très abrasif, mais à nouveau, comme je vous disais, on peut un petit peu doser le côté gommant du produit. Et pour tout type de peau, donc j'aimais juste une réserve pour les peaux sensibles, faites juste un petit peu attention. Caudalie, c'est une marque que j'adore. Quand on me demande des conseils sur une bonne marque de parapharmacie parmi mes copines ou autres, c'est toujours la marque que je donne parce que les compositions sont pas irréprochables, mais ils ont fait beaucoup beaucoup d'efforts. Les produits sont d'un bon rapport qualité-prix et je ne compte pas le nombre de coups de cœur que j'ai pu avoir dans la marque. Donc voilà, vous pouvez vous tourner vers Caudalie les yeux fermés selon moi. Ensuite, on va passer à un produit de la marque Nourish. Alors ce petit masque, en fait, je l'ai découvert pendant mes vacances à Brighton avec Morgane. Je vous mets sur l'écran le vlog que j'avais filmé sur place. En fait, au moment du 3e-4e jour, j'ai pris un coup de soleil monumental sur le visage parce qu'il faisait... Alors il faisait beau, le ciel était un peu voilé, mais vu qu'on était au mois de... avril-mai, je me suis pas trop méfiée du climat, on va dire, et j'ai attrapé un joli coup de soleil sur le visage. Donc j'avais pas forcément dans ma valise tous les produits pour répondre à ce problème, donc Morgane m'a très gentiment prêté ce produit qu'elle avait amené avec elle. Je crois qu'elle l'avait en miniature ou alors elle l'avait transvasé dans un petit pot. Donc c'est le masque réparateur multiminéral provenant de probiotiques de la marque Nourish London, donc une marque anglaise que je connais de nom. Mais je ne crois pas avoir déjà testé des produits de chez eux par le passé. Donc c'est certifié bio, cruelty free, vegan, 80% des ingrédients sont d'origine biologique. Et donc c'est un produit qui est fait avec des minéraux issus d'un processus de fermentation probiotique. Il est écrit: ce puissant masque anti-âge est formulé pour délivrer les minéraux essentiels nécessaires à une peau saine. Moi, le seul vrai effet que je vois avec ce produit, le truc vraiment qui résume le produit pour moi, c'est que c'est un masque réparateur. Si vous avez la peau échauffée, abîmée par le soleil, des traitements que vous avez pu avoir sur le visage trop agressifs, vous avez vraiment l'impression que votre peau elle a du mal à se défendre, c'est vraiment un produit qui pourrait vous plaire. Alors ça s'applique de deux façons, soit vous mettez une très très grosse couche sur le visage, vous laissez poser, alors il n'y a pas vraiment de temps de pause, hein. Vous pouvez mettre ça une heure, deux heures, il n'y a pas de risque. Et ensuite vous éliminez l'excédent avec un mouchoir, soit vous appliquez une couche un tout petit peu moins généreuse et vous vous en servez comme masque de nuit et vous le laissez poser toute la nuit. Moi j'ai plutôt tendance à faire cette deuxième utilisation, déjà parce que ça occasionne moins de gâchis de produits et que je trouve ça très efficace. Si vous avez la peau qui a du mal à cicatriser, qui a du mal à se régénérer, je vous conseille ce masque. Il est génial. Voilà, c'est Morgane qui me l'a offert d'ailleurs à notre retour de vacances à Brighton parce que je l'ai testé donc une nuit ou deux. Et je lui dis mais ce truc est top, et en fait quand je suis rentrée elle m'a fait la surprise de me l'envoyer par la poste. Et c'est une super découverte, donc je la remercie encore de me l'avoir offert et je vous le conseille, c'est un vraiment très très bon produit. Qui me fait pas mal penser à l'Advanced Night Repair de chez Estée Lauder. Alors aucun rapport, l'Advanced Night Repair c'est un sérum. Estée Lauder en termes de composition on n'y est pas du tout. En termes de prix, je ne connais pas le prix de ce produit mais... L'Advanced Night Repair chez Estée Lauder, c'est prohibitif. Donc c'est vraiment un produit que je pourrais rapprocher de celui-ci pour ses vertus vraiment réparatrices et ouais, réparatrices pour la peau. Je pense que c'est vraiment le terme le plus adapté pour résumer ce produit. Ensuite, je vous avais parlé dans une récente vidéo d'un sérum de chez Antipode, le sérum Apostle, donc le sérum éclat illuminant de la marque Antipode. Antipode qui est une marque néo-zélandaise qui fait de très beaux produits. À nouveau avec de belles compositions, des ingrédients bio. C'est une marque que je connais depuis très longtemps. J'ai essayé beaucoup de produits chez eux et c'est vraiment une marque que j'apprécie énormément. Puis ils m'avaient envoyé un colis récemment et je suis retombée sur ce sérum que j'avais déjà utilisé il y a très longtemps en arrière. Ça doit bien faire au moins 5 ans. Et c'est un produit que j'avais beaucoup aimé. Donc 100% des ingrédients sont d'origine naturelle et 74% d'origine bio. Au niveau des ingrédients, on a du kiwi... pour éliminer les rougeurs, je suis désolée, je suis en train de traduire en même temps, du vinansa pour l'effet anti-inflammatoire, du raisin aussi pour rendre la peau plus éclatante, il y a du champignon aussi pour booster les cellules de renouvellement de la peau. Bref, c'est un produit qui est assez complet. Alors, ça va être difficile de vous le montrer, mais il est d'une couleur assez, assez étrange, c'est un sérum qui est un peu brun. Voilà, une fois que vous l'appliquez sur le visage, la couleur part assez vite. Moi, je l'utilise le soir et ça fait partie des produits, parmi tous ceux que j'ai pu tester, et Dieu sait que j'en ai testé, ça fait partie des produits les plus efficaces pour moi en termes d'éradication des taches pigmentaires ou des irrégularités de couleur au niveau de la peau. Si vous avez tendance à avoir des taches, alors taches de soleil, taches de vieillesse, cicatrices dues à l'acné, moi c'est principalement pour cette dernière raison. Les résultats arrivent très vite, vraiment, vous l'utilisez quelque chose comme une semaine, 10 jours et vous voyez déjà un résultat. Il est très agréable à utiliser, il ne donne pas de boutons, il sent bon, il a une petite odeur de fruits. Je trouve pas ça désagréable. Et voilà, je voulais vous en parler parce que dans le domaine, je vous conseille celui-ci. Je vous conseille aussi le sérum Vino Perfect de chez Caudalie, toujours Caudalie, que j'aime beaucoup. Et voilà, ça fait partie vraiment des sérums que j'aime le plus pour
unifier le teint et donner un peu plus d'éclat au visage. Ensuite, un produit favori que j'ai acheté sur le site de Cull Beauty, que j'avais très envie d'adorer, mais j'avais vraiment extrêmement peur d'être déçue, surtout au vu du prix. Il s'agit de ça. Donc ce petit outil en quartz rose s'appelle un gua sha. Alors c'est un outil de massage pour le visage qui nous vient tout droit de d'Asie, je ne sais plus quel pays, je crois que c'est le Japon. Donc vous avez une forme assez, voilà, assez particulière, c'est livré avec une notice d'information pour vous aider à voilà, vous masser le visage tous les soirs. Pourquoi j'avais un petit doute? Parce que j'avais reçu de la part d'une marque ce petit roll-on. Alors ça c'est, je ne sais plus quelle pierre c'est de l'améthyste ou quelque chose comme ça. Ça existe en améthyste, en jade, en quartz, selon la pierre ça peut avoir des vertus différentes. Je vous dis n'importe quoi, mais en gros le quartz ça peut être décongestionnant, la jade ça peut être un petit peu anti-imperfection, bref. Je trouve qu'il y a un très très gros côté marketing autour de tous ces petits produits. Celui-là je vous en avais parlé dans une vidéo flop parce que franchement j'ai pas vraiment vu l'intérêt du truc. Et heureusement je l'avais reçu dans un colis de la part d'une marque, mais je suis pas extrêmement convaincue par cet outil. Résultat c'est ma fille qui s'en sert, elle se le roule sur elle, ça la fait rire, mais voilà. Ça n'a pas vraiment eu grand succès chez nous. En revanche, ce petit gua sha, j'en ai entendu beaucoup parler et j'en ai entendu parler par des personnes qui sont assez sérieuses dans le domaine de la beauté. Non pas que les autres ne l'étaient pas, mais enfin celles qui parlaient des roll-on, mais des personnes qui sont un peu plus pointues dans le domaine du soin de la peau, etc. Et voilà, j'ai sauté le pas. Je me souviens plus du prix, mais c'était très cher en tout cas. Il faut faire attention au niveau des revendeurs, il y a des personnes qui sont pas sérieuses, ça peut être des pierres de mauvaise qualité, etc. Donc je suis restée sur un site... dans lequel j'ai quand même une grande confiance, qui est donc Cull Beauty, qui est un e-shop anglais. Et voilà, le principe, donc vous vous massez le visage, donc il y a tout un rituel, c'est expliqué, vous avez une notice avec, vous bien sûr massez dans un certain sens pour relancer la circulation lymphatique, la circulation sanguine. J'aime beaucoup ce petit outil. Alors les résultats sont pas... c'est pas immédiat, c'est pas incroyable non plus, mais... Quand même, quand je m'en sers, donc moi je m'en sers essentiellement le soir quand je suis démaquillée dans mon lit, quand je suis en train de lire un bouquin, je fais ça voilà, sans trop y réfléchir. Déjà c'est très délassant, ça détend, franchement c'est hyper agréable. Très souvent je me retrouve avec le visage vraiment rosy, presque rouge, et là ça prouve que la circulation sanguine a été relancée. Et le lendemain matin je me retrouve avec la peau et le tour des yeux par exemple moins gonflé, moins tendu. Et la peau bien souple et bien rebondie, je sais pas comment vous expliquer, mais les traits sont moins tirés, puis à la fois je suis un petit peu moins congestionnée autour des yeux. Donc voilà, ça révolutionne pas non plus votre routine de soins, mais c'est un geste qui, comme je vous disais, déjà est agréable, et puis en plus de ça, j'ai des effets assez bénéfiques sur ma peau. Donc voilà, je m'en sers vraiment sur l'ovale du visage, il y a aussi toute une composante anti-âge. Bon, à 31 ans, je peux pas encore vraiment me prononcer là-dessus. Et puis après, vous pouvez faire ça sur le contour des yeux, c'est tout un rituel assez complet, mais voilà, si ça peut vous intéresser, je voulais vous en parler. Et ensuite, deux favoris de chez Glossier, vous savez que j'adore la marque Glossier. Alors le premier favori, je crois que je vous en ai parlé dans une catégorie flop il y a quelques temps. Et je crois bien que c'est la première fois que je vous parle d'un produit en vous le mettant dans la catégorie flop pour venir quelques mois après vous le représenter dans la catégorie favori. Mais écoutez, il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis. Alors il s'agit de la crème repulpante yeux et lèvres qui se présente dans ce petit flacon en métal. Ça fait un gros buzz au moment de sa sortie. Je voyais beaucoup de personnes qui étaient très enthousiastes par cette crème contour des yeux. Et puis moi, alors j'en étais pas déçue d'ailleurs, j'ai pas regardé la vidéo où j'en parlais, mais je me souviens ne pas avoir dit des choses complètement affreuses à son sujet. C'était un soin que je trouvais assez banal, assez lambda, et je comprenais pas trop l'engouement autour. Et puis en fait, je m'en suis servie parce que je voulais tout simplement... finir mon tube et que j'avais pas fait de réaction allergique, que ça me posait pas de soucis, donc j'avais aucune raison de m'en débarrasser, de le donner à une copine ou autre. Et puis en fait, bah, force est de constater que j'aime beaucoup beaucoup cette crème pour les yeux. C'est vraiment un bon produit qui fait bien son travail, qui lisse un peu les petites ridules sur le contour de l'œil, qui assouplit le contour de l'œil, qui pique pas, qui brûle pas, qui peut être utilisé matin comme soir. Si vous le mettez sous votre maquillage, faut pas en mettre trop en termes de quantité, faut attendre un petit peu pour que ça pénètre. Moi j'en profite pour me laver les dents ou autre. Avant d'appliquer son maquillage par la suite. Et puis le soir, bah, vous pouvez être un tout petit peu plus généreux sur les quantités et ça se passe très bien aussi. C'est un bon produit en fait, c'est pas aussi riche, aussi nourrissant qu'un baume vraiment contour des yeux. J'ai celui de chez Bobbi Brown que j'adore. C'est pas non plus juste hydratant, c'est vraiment un bon entre deux. Et voilà, je regrette d'en avoir parlé dans cette catégorie flop parce que j'en suis très contente. Voilà, donc je voulais quand même vous dire que j'ai changé d'avis à son sujet. Et ensuite j'ai craqué pour le Zit Stick de chez Glossier toujours, donc on dirait un marqueur pour écrire. C'est un peu, voilà, un côté un peu décalé de la marque. Ce produit il existe depuis très longtemps dans la marque et puis je ne sais pas pourquoi il n'était pas commercialisé sur France. Moi je pensais que c'était pour une question de composition, il peut y avoir certains problèmes des fois dans les compositions des produits, les normes ne respectent pas,
les normes européennes ou autres. Alors je ne sais pas pourquoi, mais tout à coup il a été disponible à la vente en France. Est-ce que la composition a changé? Je n'en sais rien. Donc c'est tout simplement un gel traitant avec de l'acide salicylique. Donc Glossy n'a rien inventé avec ce produit. L'acide salicylique, ça a de très bons effets sur l'acné, sur les boutons inflammatoires, etc. Et voilà, Glossy a tout simplement créé un produit autour de cet ingrédient. Donc j'imagine qu'il existe d'autres produits à l'acide salicylique qui sont très bien, mais moi je viens vous parler de celui-ci parce que j'en suis très contente. Alors il vous suffit de tourner la petite molette rouge qui est ici pour faire sortir le produit, et ça sort sous forme de crème avec une petite bille. Ce qui est très intéressant dans l'aspect crème, c'est que contrairement à un gel qui va venir se répartir, un peu couler, glisser, etc., là vous pouvez vraiment cibler le bouton en question, et bah, écoutez, le résultat est assez bluffant sur moi, sur toutes les étapes du bouton. Bon alors, je vais pas vous faire l'encyclopédie du bouton en cas de volume, mais je vous apprends rien, le bouton il arrive un peu en sous-marin, vous sentez qu'il y a un relief, c'est chaud, vous n'avez pas envie d'y toucher, après il est clos, après éventuellement ça peut devenir un peu infecté, etc. Et puis après une croûte, ça sèche, etc. Et puis on repart sur un autre cycle avec un autre bouton. Ce produit il fonctionne bien sur toutes les étapes. Juste avant que le bouton n'apparaisse, quand il est bien présent, bien rouge, bien infecté, et après aussi. Ça accélère la cicatrisation et puis la réparation de la peau, puis surtout ça élimine l'infection assez vite. Alors, petit détail, pour amorcer le produit, il faut tourner cette molette, enfin en tout cas moi avec cet exemplaire que j'ai acheté, il faut tourner la molette mais des centaines de fois, mais sans exagérer, je crois que j'y ai passé 2 minutes à me dire mais c'est pas possible, il n'y a rien dans ce flacon. C'est très très long avant de voir du produit sortir, donc si vous l'achetez, ne perdez pas patience, c'est extrêmement long. Ensuite, un produit de chez Rennes que j'ai reçu il y a assez peu de temps, et vous avez été nombreuses à réagir à son sujet. Il s'agit du Perfect Canvas, donc du Clean Primer de chez Rennes. Alors Rennes, je ne vous représente pas, cette marque anglaise que j'adore, avec des compositions irréprochables, qui fait vraiment des produits géniaux. Ça fait des dizaines de fois que je vous parle de cette marque. Donc un primer sans silicone avec une belle composition qui vous permet de préparer votre peau au maquillage, de créer comme une barrière de protection au-dessus de votre peau et d'embellir le maquillage que vous allez appliquer par la suite. Alors, c'est hyper facile d'utilisation, on dirait une eau, c'est vraiment complètement aqueux, complètement liquide. Vous appliquez ça juste après votre crème de jour et juste avant votre maquillage. Quand vous l'appliquez, c'est assez marrant, c'est comme si ça faisait ressortir le soin que vous avez mis juste avant, donc c'est comme si ça se transformait un peu en crème. Et ensuite, ça s'oublie complètement. Ça crée une surface lisse sur la peau, mais pas siliconée. D'ailleurs, il n'y a pas de silicone, mais il n'y a pas de côté artificiel. C'est vraiment juste une surface plus lisse, plus plane, pour pouvoir appliquer votre maquillage par la suite. J'ai vraiment vu une différence en termes de tenue de maquillage. Ça fonctionne hyper bien. Et vraiment, je suis conquise par ce produit, par la composition, par la philosophie de la marque. Je ne l'applique pas tous les jours quand j'ai pas besoin d'avoir un maquillage qui tient du matin au soir. Je ne l'applique pas forcément. Par exemple, aujourd'hui, j'étais au sport, donc je ne l'ai pas appliqué. Mais si vraiment j'ai envie que mon maquillage ne foute pas le camp à 15-16 heures l'après-midi, ou que voilà, je me maquille très tôt le matin pour une très longue journée, je m'en sers et j'en suis vraiment ravie. Ensuite on va passer aux produits favoris côté maquillage, et il y en a deux. Tout d'abord ce blush en stick de chez Milk Makeup. Vous savez que la marque Milk Makeup a enfin débarqué chez Sephora, et ça c'est une très bonne nouvelle. Alors il s'agit du comment ça s'appelle, Lip Plus Cheek, donc le lèvres et joues en teinte Perk, qui sans aucune surprise est un corail. C'est une teinte qui est absolument ravissante, et en termes de formulation c'est juste le bon équilibre entre le côté lumineux hydratant du blush crème, avec justement un côté ni trop lumineux ni trop hydratant, qui permet de l'appliquer sans souci sur votre visage déjà maquillé, sans déplacer tout le maquillage qui est en dessous. C'est très longue tenue. C'est ce que je peux reprocher à certains blush crème, ça s'évapore assez vite en fait avec le sébum de la peau, etc. Contrairement à une poudre, ça va disparaître assez vite à la surface de la peau, alors celui-ci tient vraiment du matin au soir. La couleur est ravissante, ça s'estompe parfaitement, c'est très pigmenté, c'est vraiment la formulation parfaite. Donc j'avais entendu beaucoup de bien de ces produits, et ben je comprends mieux maintenant pourquoi. Je vous avais présenté ma commande Milk Makeup dans une vidéo haul que je vous mets sur l'écran. Juste pour rappel, j'avais commandé donc ce produit dont je suis ravie, l'enlumineur qui est bien mais qui est pas inoubliable. Moi je suis pas non plus la pro des enlumineurs, donc je suis pas peut-être celle qu'il faut trop consulter pour ce genre de choses, mais il est très bien. Si vous avez très envie d'un enlumineur de chez Milk, vous en serez contente, mais voilà, celui-ci ou celui en stick de chez Glossier, ou bien un autre de chez RMS Beauty, bon, pour moi il n'y a pas vraiment de comparaison possible. Qu'est-ce que j'avais acheté d'autre? J'avais acheté un sérum en stick de couleur un peu rose, je suis en train de le finir,
Je suis pas très convaincue par le produit, j'ai pas vu d'effet, il est pas mauvais mais il est pas génial non plus, donc je vous le conseille pas forcément. Et il y a un quatrième produit mais je n'arrive pas à m'en souvenir. Voilà, pour un rapide bilan de mes produits testés dans la marque Milk, et j'ai très hâte que la gamme s'étende chez Sephora parce que je sais qu'il existe plein d'autres produits qui sont pas encore disponibles pour le moment et j'espère qu'ils vont arriver. Ensuite, je voulais vous reparler du bronzer Nude Bronze Light, donc le Ambient Lighting Bronzer de chez Hourglass. Je vous en ai déjà parlé dans une vidéo favori il y a quelques temps en arrière. Je l'ai ressorti parce que ma terracotta de chez Guerlain devenait vraiment trop foncée, puis là j'ai perdu quasiment tout mon bronzage. Ce bronzer, il est parfait. C'est la bonne texture, la bonne pigmentation. Il se répartit très bien sur le visage, il fait pas de taches. Il est lumineux sans être complètement nacré, complètement irisé. Les poudres chez Hourglass sont d'une finesse, donc ça se remarque pas sur le visage, c'est vraiment un petit bijou. Je vous disais, moi j'ai la teinte Nude Bronze Light, qui est une très jolie teinte, ni trop orangée, ni trop rose, c'est vraiment un bronzer assez neutre, pas trop grisé non plus, enfin pour ma carnation, ce qui est très personnel, il est vraiment, vraiment parfait, mais il existe plein d'autres teintes. Et le dernier favori, c'est un parfum, c'est l'eau de Givenchy, que j'ai découverte il y a quelques mois en arrière. Vous aviez été nombreuses à m'envoyer des messages pour me dire que c'est un parfum qui risquait de me plaire. Et vous avez vu tout juste, parce que vraiment c'est un délice. Alors, senteur de base, fleur d'oranger, hein, vous commencez à me connaître. Mais une fleur d'oranger assez mature avec un fond de musc à l'arrière qui donne un tout petit côté un peu... un peu boisé, un tout petit peu plus cossu qu'une fleur d'oranger un peu bébé, ce qui est pas un problème, hein. J'ai plein de parfums qui sentent la fleur d'oranger vraiment bébé, le truc hyper réconfortant. Ça, c'est une fleur d'oranger, comme je vous disais, un tout petit peu plus mature, donc si vous avez peur de ce côté savon pour bébé, la tenue est excellente. Et puis selon les peaux, je l'ai fait tester à une copine il y a pas longtemps, c'est plus le côté fleur d'oranger ou plus le côté musqué qui ressort, donc prenez peut-être le temps de l'essayer un moment sur vous avant de vous décider. Voilà, j'adore. Le flacon est tout simple et j'ai l'impression que le bouchon est aimanté. Non, c'est peut-être une impression. Mais le bouchon est un petit peu lesté, donc c'est un flacon qui est très chic, très raffiné. Ça change bien sûr rien à son odeur, mais c'est pas désagréable. Et voilà, je ne porte que lui en ce moment et j'en suis vraiment ravie. Il tient très bien sur moi, il vire pas, c'est un vrai bonheur. On va passer aux 4 flops de cette vidéo. Tout d'abord, le démaquillant 3 en 1. Nettoie, apaise et embellit de la marque Dior dans la gamme Hydra Life. Alors un démaquillant qui est à la base biphasé, mais peut-être que le temps que je finisse cette séquence, il va reprendre son côté biphasé. Je l'avais reçu de la part de la marque Dior. Ça fait plusieurs fois que je suis très déçue par des démaquillants de grandes marques. Et je vous parle vraiment de... Je vous ai pas précisé si c'est un démaquillant vraiment pour les yeux, pour le maquillage waterproof, etc. Vous avez le style des masques de chez Je Mets. Vous avez le démaquillant biphasé de chez L'Oréal, le démaquillant biphasé de chez Mixa, qui coûte 3 fois rien, qu'on trouve en grande surface, qui sont géniaux. À côté de ça, vous avez cette horreur qui démaquille rien du tout, et j'en avais essayé un de chez Clinique aussi qui avait été très décevant. Alors je sais pas pourquoi il y a un tel gap, mais ça fait vraiment partie des produits qui peuvent être excellents pour des petits budgets et très décevants dans des grandes marques. Ben pourquoi je l'aime pas? Ben parce qu'il marche pas, voilà tout simplement, il démaquille pas du tout le mascara waterproof. Mais vraiment même pas un tout petit peu, et à la rigueur s'il y arrive, à force de frotter ou de garder le coton un peu en contact sur l'œil, ça va venir effriter le mascara, donc ça devient presque désagréable parce qu'en fait vous avez l'impression que vous vous arrachez les cils. Bref, j'en suis pas contente du tout, je m'en suis pas beaucoup servie, hein. J'ai baissé le flacon d'à peu près 1 cm, mais je vais le donner à une amie qui peut-être porte du maquillage non waterproof et qui j'espère en sera contente, mais pour moi c'est un très gros flop. Toujours dans le même domaine du maquillage des yeux, le mascara Unlimited Waterproof Very Different de chez L'Oréal. Un mascara avec un manche qui se plie comme ça. Alors moi je pensais, quand je l'ai acheté, je me suis dit je vais être probablement contente du mascara mais complètement déçue de ce système de brosse qui se plie. Et ben en fait c'est tout l'inverse, je trouve le mascara nul, mais nul. La formulation, la brosse, il n'y a rien qui va. Alors il est censé se démaquiller à l'eau chaude. Quel est le rapport du coup avec un maquillage waterproof? C'est censé résister à l'eau, mais ça part à l'eau chaude, mais pas à l'eau froide. Moi, j'y comprends rien. Résultat des courses, à l'eau chaude, ça part pas. Au démaquillant waterproof, ça part pas beaucoup plus. C'est assez décevant. La brosse est une brosse avec des picots. C'est censé bien attraper les cils. Au final, ça vous agglutine les cils entre eux. C'est celui que je porte aujourd'hui, mais alors c'est vraiment complètement décevant. Et à ma grande surprise, le côté brosse qui se plie comme ça, et ben pour le coup, elle était pas mal. Parce que ça vous permet de bien aller dans les petits coins, là, dans les petits recoins des yeux. Et ça finalement c'était pas si gadget que je l'avais imaginé. Mais le mascara en lui-même je le trouve nul, donc je ne sais même pas si je vais le finir. Parce que franchement j'en suis très mécontente et je le trouve tellement compliqué à nettoyer que
Je le porte le matin, ça m'agace de le poser parce que je trouve que le résultat est pas satisfaisant. Et le soir quand j'enlève, il m'agace tout autant. Je crois vraiment que la vie est trop courte pour s'embêter avec un mascara de ce type là, donc je pense que je vais passer à autre chose. Et ensuite le dernier flop, et quelle déception, c'est un produit de la marque Nude Sticks. Donc je crois que c'est une marque canadienne. Alors, d'après ce que je vois, marque canadienne, fabriquée en Corée, avec des bureaux qui sont basés en Belgique. Ça m'a l'air un peu compliqué dans la marque, mais bon bref. J'ai beaucoup entendu parler de ce produit sur des chaînes anglaises, notamment je crois qu'en France j'en ai pas tant entendu parler que ça. C'est toute une marque qui décline ses produits sous forme de stick. Alors vous avez des fonds de teint en stick, des blushs en stick, des bronzers en stick, etc. Et j'avais vu Anna de la chaîne The Anna Edit parler de ce bronzer. Donc ça s'appelle le Nudies et c'est la teinte Bondi Bay. Voilà, c'est écrit sur le bouchon ici. J'étais assez emballée par le produit quand je l'ai reçu parce que c'est vraiment un bronzer qui semble tout simple à étaler. Et puis après je l'ai mis sur ma main et je me suis dit oh, c'est quand même vraiment couleur caramel. Je suis pas hyper convaincue par le truc. Alors c'est pas mal fait. De l'autre côté vous avez une petite pinceau comme ça pour l'étaler. En réalité le pinceau fait assez bien son travail. Et ce petit pinceau vous pouvez le dévisser pour le laver dans votre lavabo. Donc voilà, ça c'est pas mal pensé. En réalité la couleur elle me convient pas très bien alors qu'elle est à la base faite pour les peaux claires. Je n'arrive pas à estomper ce produit parce qu'il est un tout petit peu trop gras. Donc en fait moi ça me fait comme des patchs de couleurs et ça fait plusieurs fois que j'utilise parce que franchement j'avais beaucoup d'espoir dans ce produit et ça marche pas. La dernière fois je l'ai mis pour la 4e ou 5e fois en me disant allez ma vieille tu vas y arriver. Je l'estompe, je me regarde dans le miroir, je me dis bon ok ça colle. Dans l'après-midi je vois ma mère, elle me dit mais qu'est-ce que c'est cette trace que t'as ici là, on dirait que t'as plein de petites taches marron. Je me dis mais c'est pas vrai, je vais pas y arriver. Donc voilà, je pense que je vais abandonner avec ce produit parce que... on n'est clairement pas compatible, en tout cas il y a quelque chose qui va pas entre nous deux. Je n'arrive pas à l'étaler, la couleur me convient pas parfaitement, la texture est très compliquée à travailler. Si je le frotte trop, si je l'étale trop, je fais bouger le maquillage que j'applique en dessous, ce qui est vraiment pas l'idée. Et voilà, j'en suis pas du tout satisfaite, donc c'est bien dommage parce que je fondais beaucoup d'espoir en lui. Et voilà pour mes favoris et flops de ces deux derniers mois. Si vous avez des questions comme d'habitude, vous n'hésitez pas. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.